à tous, ici Bob. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo des unboxings des box Cardass, avec aujourd'hui la numéro 3738 qui, comme toutes les autres, est restée scellée. Voilà, donc cette box est sortie en novembre 2018. Comme d'habitude, deux parts à l'intérieur avec 6 prismes et 36 règles. Et la particularité, c'est que comme les parts 30, ouais, c'est ça, comme la part 30, on a deux gold, deux cartes gold, donc une par part. Voilà. Donc, comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est qu'on va préouvrir cette box et on se retrouve tout de suite pour l'ouverture. À tout de suite. Voilà, box préouverte, comme vous le constatez, elle est ici. Et donc, là voilà, je la découvre en même temps que vous, même si effectivement je connais déjà le contenu. Donc, voici l'illustration de la box. Petit focus, merci. Voilà, avec les différentes transformations de Son Goku, avec effectivement le Super Saiyan en haut, le Super Saiyan God en bas, le Super Saiyan Blue ici, et du coup, le Mega Tenno Goku au milieu, voilà, 37-38, et le contenu de la box avec effectivement un classeur, le fameux Scouter, comme d'habitude, les deux cartes gold qui sont au milieu, les deux Rex 7 avec les prismes et bien entendu le petit fascicule, le petit livret que nous avons dans chaque box. Donc, ouais, le classeur est quand même bien. On va faire ça, voilà. Les cartes, on va les mettre de côté. Et effectivement, on va s'intéresser au classeur et au fascicule pour le moment. Alors, le classeur, comme d'habitude, un classeur prisme. Attendez, je remets bien tout ça. Voilà. Alors, un classeur prisme avec la Z-Team. Ouais, plutôt pas mal. Très bien. Dragon Ball Cardass Binder. Bleu. On avait déjà eu cette couleur, je crois, avec le premier classeur, part 31-32, si je ne m'abuse. Ma foi, fort sympathique, avec un petit Dragon Ball Cardass Binder sur les tranches. Et du coup, derrière, le combat Jiren Son Goku. Pareil, prisme également. Voilà. Et bien sûr, même s'il faut le montrer, le classeur est comme ça. Alors bien entendu, comme d'habitude, moi, le classeur restera dans la box. Nous allons nous intéresser ensuite au... Avant de s'intéresser aux cartes, je fais n'importe quoi. Intéressons-nous au petit livret. Alors, moi, je le trouve, le livret, franchement, il est magnifique. Clairement, les illustrations sont vraiment très sympas. Alors, Jiren a un peu les yeux plissés. Ça fait un peu bizarre, mais sans ça, l'illustration est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, elle reprend un puzzle, apparemment. Voilà. Donc, à l'intérieur, qu'avons-nous? Nous avons, du coup, le contenu de la box, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ça, comme à chaque fois, on a ça. Ensuite, l'explication des différentes parties d'une carte, avec, du coup, les traductions, enfin, en tout cas, les traductions, les explications. Voilà. Les règles du jeu. Là, nous avons par part un focus sur l'ensemble de la part 37 et la part 38. Voilà. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être un récap des parts d'avant. Puisque là, nous avons des cartes, des anciennes parts. Très bien. Effectivement, le fascicule est un peu plus grand. Donc là, on a d'autres, pareil,
Là, je pense que c'est la 33, 34 ou 35, 36, je ne sais plus. Là, effectivement, donc là, c'est la nouvelle part avec les anciennes cartes de la 35, 36 également. Voilà. Et là, donc, comme d'habitude, les artworks. Ouais. Donc, sûrement des cartes à l'intérieur de la box. Voilà. Avec les différentes transformations de Son Goku. Et donc là, effectivement, une petite pub pour le film Dragon Ball Z Broly. Dragon Ball, pardon, Z, qu'est-ce que je raconte? Dragon Ball Super Broly, pardon. Qui est sorti le 14 décembre dernier au Japon. Et donc que j'ai eu la chance d'aller voir en avant-première au Grand Rex. Voilà, passons aux cartes maintenant. Ce qui nous intéresse. Alors, faisons attention de ne pas abîmer la gold parce qu'en plus elle est devant. Alors, donc effectivement, comme je vous expliquais tout à l'heure, nous avions une carte par part qui était de ce format-là, en tout cas de cette composition-là. Alors, voyez, voilà. Ça, par contre, ça va me saouler. Regardez. Je commence. La carte est déjà abîmée. Voilà. Donc, ça, c'était effectivement un petit défaut qui n'est pas de mon fait. Mais qui est symptomatique des box reçus, puisque apparemment je ne suis pas le seul à avoir eu ce petit défaut. Voilà, donc je suis un peu déçu. Voilà, la carte a un défaut et je crois que d'autres personnes ont eu ce souci. Donc, ok, bon, on va la ranger proprement, on va faire attention. Et voici les prismes. Ah, bah attendez, je commence avec la mauvaise partie. Eh oui. Je veux aller vite, mais je fais n'importe quoi. Voilà, donc voici. Alors par contre, celle-ci est en bon état. Là, il n'y a rien à dire. Pas de problème. Donc voilà la première gold. Avec la prisme 1. Ah voilà, on m'avait prévenu. Les prismes sont vraiment dégueulasses. Regardez, le végétal, on le voit vraiment très peu. Les prismes sont très pâles, sont très ternes en tout cas, et on a du mal à voir les personnages. C'est vraiment dommage. D'accord. Regardez, oh là là. On voit absolument rien. Ça, c'est. Oh, je vais pas dire de gros mots, mais c'est vraiment embêtant, quoi. Là, c'est pareil, on voit vraiment pas grand-chose. Ouais. Pff, les prismes sont vraiment de mauvaise qualité, là. Celle-là, ça va. Celle-là, ça va. Ok. Et donc, on va attaquer les règles, les régulars. Donc, le fameux scouter qui est ici. Toujours avec la première partie de la box. Voilà. Avec les différents combats. Là, on est toujours dans l'arc survie de l'univers, mais on est vraiment sur la fin. Avec les différents combats. Avec Dispo. Dispo a une tête très bizarre sur cette carte. Ouais, Gohan. Bon, par contre, les règles, il n'y a rien à dire. Elles sont toujours autant quali en termes de toucher. Là, on a toujours la folle marque qui est ici. Ça, il n'y a rien à dire sur sur les régulars. C'est très bien. Là, avec les Zeno. Ah, regardez ça. Méga Tenno Goku de Son Goku. Vegeta. Jiren. Dans la dernière partie du combat. Whinuntu qu'il a. Avec le dieu de la destruction de l'univers 11. Ouais. Allez Goku, bats-le! Ouais. Et donc ça, effectivement, ouais. Pas très fan de genre de carte, mais bon. Freeze. Freeze-sama. Avec numéro 17.
Le fameux duo de fin de combat. Ouais, celle-là, cette carte, par contre, est magnifique. Très, très belle. Bien sûr, on a Goku à côté. Ouais, là, on est vraiment sur la toute fin du combat. Avec leurs amis qui les encouragent. Et effectivement, la dernière carte, j'aime beaucoup. Avec un Goku et Vegeta qui s'affrontent. Voilà. Alors c'est très bizarre puisque nous sommes à... Ouais, c'est bizarre. D'accord, ok, bon. Ouais, parce que du coup, là, sur cette première patte, on vient de finir le tournoi, donc c'est-à-dire la fin de où on en est aujourd'hui avec l'animé. Et en fait, du coup, là, je pense que cette part 38 reprend, je pense que c'est un medley de pas mal de situations, en tout cas, c'est un résumé des différentes parties de Dragon Ball Super, alors avec des prismes qui sont ma foi de meilleure qualité, vraiment de meilleure qualité que sur la part 37. Il n'y a absolument rien à dire. Regardez, les dessins sont, enfin les détails sont là. La couleur est vraiment bien choisie. Il n'y a pas de, c'est pas flou quoi. Là c'est bien. Là on est d'accord. Avec effectivement le fameux puzzle. Là, je valide. Là, vraiment, je suis content parce que les prismes sont belles et il n'y a rien à dire. Et la fameuse prisme du classeur. Ouais, très joli. Et donc là, effectivement, on revient sur sur les ensembles, enfin, en tout cas, sur des résumés des Dragon Ball, enfin, des épisodes Dragon Ball. Super. Parce que là, on est vraiment sur le tout début. Ouais. Avec un Son Goku par exemple qui se transforme là. Super Saiyan God. Voilà. J'ai jamais vraiment fait gaffe. Je pensais que ça continuait en fait sur deux parties. En fait, non. On a une partie un peu spéciale. Avec là le retour de Frieza, Fukatsu no F. D'accord, Kame Sennin. Là, avec du coup le Frieza et les différents généraux de son armée. Ouais. D'accord. Là, on arrive sur Fukatsu no F. Sur, pardon. L'arc Trunks du futur avec Zamas. Ouais. D'accord. Mai. Et du coup, voilà, donc on arrive juste avant le tournoi de l'univers. Voilà. Donc, pour résumer, bah écoutez, je suis très content des golds. Les golds sont vraiment très belles. Par contre, effectivement, faites attention. Puisque comme moi, regardez, vous voyez là, ici, là. Comme moi. Voilà, on fait tomber la caméra. Tout va bien. Comme moi, il y a un petit défaut là sur le dessus de la carte. Qui est malheureusement pas de mon fait. Et c'est très embêtant. Parce que du coup, si encore c'était moi qui avais fait la bêtise, je ne dis pas, mais là, ouais, c'est embêtant. Donc, des golds qui sont ma foi de bonne qualité. Les prismes de l'appart 38 sont vraiment de très très bonne qualité. Je suis très content. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Magnifique. Par contre, très 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 déçu des prismes de l'appart 37. Qui sont vraiment, je vous les remontre parce que pour vraiment que vous regardiez. Attendez, on va faire un focus.
Voilà. Alors celle-ci, ça va encore, mais vraiment les autres sont vraiment très 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 ternes. Très floues surtout. Regardez celle-ci là. Oh là là, non. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, celle-là, ça va, mais regardez par exemple celle-ci. Vegeta, on ne te voit pas. Vegeta, on ne te voit pas. Je suis désolé. On ne voit pas ta bouche. Ou en tout cas, très peu. Et pareil, le Goku à côté est vraiment pas terrible. Voilà, donc en tout cas, certaines prismes, je dis pas toutes, hein, mais certaines prismes de la part 37 sont vraiment pas terribles, sont mal faites. Mais on va dire qu'on se rattrape. On se rattrape avec la part 38 et on se rattrape effectivement avec les deux golds que nous avons. Et bien entendu, le magnifique classeur qui est ici, qui est vraiment aussi très joli. Voilà. Avec le combat derrière Goku Jiren. Et puis franchement, mention spéciale également au fascicule. Le fascicule Dragon Ball de la part 37-38, donc celui-ci. Je trouve que c'est le plus joli de tous. Voilà. Avec justement Goku et Jiren dos à dos. Ça me fait penser un petit peu au combat qu'on avait eu Goku contre Frieza sur Namek. On avait un peu le même style avec deux adversaires dos à dos qui se combattent. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour les quelques sauts de caméra que j'ai eus. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la dernière box, la box Broly. Voilà, la box spéciale Broly. Voilà, allez, bonne journée à tous, à plus!